la Réunion, bonjour. Il y a un camarade là, dis-moi comme ça. Et tout le temps, ça la case de bon. Aujourd'hui, il fait un petit carré dans le fond de la rivière Langevin. Et là, il y a un camarade qui va venir d'Italie. Ben, là, il fait une petite partie pique-nique de ce petit kiosque. Ben, on va aller tout de suite. Ouais, pète ton. Quand aujourd'hui, sur le bord de la rivière d'hier. Ah, un petit peu sur le bord de la rivière. Il boucle un petit peu, mais. Ah, ben, il s'est fait partie le pique-nique roll. Nous n'avons pas fait autrement, fait le petit carré, fait de bois. Oui. Là, nous allumons le petit feu. Oui. Ouais. Ben, alors, aujourd'hui, quand je viens comme ça, j'avais une petite surprise pour moi. Une jolie petite surprise. Ah bon? Une jolie petite surprise, ouais. Après, c'est une petite quelque chose, peut-être que. Bon, bon, pas souvent. Allez. Voilà, on a fait comme. Comme un petit barbaï qui vient, qui va te carrer sur le bord partout. Alors, c'est quoi la petite surprise? Voilà. Ben, ça, c'est un petit peu chevaquine que m'a pêché, m'a congélé un petit peu pour vous. C'est une petite surprise que ouais. Beaucoup de monde. Regarde ça, regarde la petite chevaquine. Ne goûte pas ça. Hein. Ça m'a réservé pour vous, ça. Ouais, ben, merci. En voilà. Plus, vous la pêche ça quand la pêche est ouverte. Il faut rappeler que la pêche est ouverte d'avril à décembre et après le mois de décembre, il ferme. Avril, décembre, fermé. Fermé, voilà. Donc voilà, comme ça au moins que les gens ils connaissent, ils pêchent pas. Dans les autres périodes, là, le produit. Après, pêcher, il n'est pas interdit, mais il faut toujours voir aussi les autres PMU. Les autres PMU aussi, ça pas le plus compliqué pour faire. Voilà. Oui. Bon, mais du coup, ça là, ça faut nous accompagner ça avec quoi ça aujourd'hui? Aujourd'hui, il fait un petit rogaise et un petit truc aigre, pour donner un petit goût, quand il y a précis. Et avec un bon petit peu de piment dedans? Ben oui. Après, on a beaucoup de piment sans piment, mais normalement, l'idéal, c'est de manger avec piment. C'est manger avec piment. Voilà. Avant midi, bah, du coup, nous, ça a fait un petit peu de riz. Oui. Voilà. Du coup, nous, ça va mettre le riz au feu. Oui, ben voilà. On a un petit peu de riz. Prend le riz. Ben, m'amène la mamie. On va mettre la mamie. La mamie des anciens. Voilà. Ce quantité de riz-là, pour combien de personnes, moi, ça? Ben, tu sais, pour 8 personnes. 8 personnes. Tu nous mets toutes? Oui, de toute façon. Tu vas rester là, c'est. Ne viendra pas aujourd'hui, mais on va manger après. On va manger réchauffé demain. Mettre ça là-bas. Petit bidon de l'eau. Oui, ben. Ah, vous, on a deux, trois, on dit qu'on va faire toujours trois lois. Ou combien on fait? Ben, il fait deux mois. Fait deux, alors. Voilà, oui. Comme dit ça. Pas toutes deux mois. Après, là, chacun la façon de faire. Un peu comme du même, mais il a trois fois. Bon, la manière vide de l'eau, vide, c'est moins faux. Bah, c'est bon, oui, là, chacun peut. Non. Parce que sinon, ça. Oui. Vous pouvez poser à chaque fois, quand le pour la laverie, il est bon. Comme ça, c'est moi qui fais aller. Voilà. Après, il voit le coup de main, s'il est bon aussi. Oui, voilà, c'est ça, c'est sûr, tout ça. On voit si le coup de main est bon. Donc, on sent vide de l'eau. Bah, du coup. Le vide est tranquille, la même, là. Dans un petit quoi que. Personne, il va aller, ou lui ça va, lui reste la même, tranquille, puis je ne t'en vois non plus. Là qu'on vient comme ça le matin, on vient en pique-nique avec lui, on vient pour réserver le kiosque. Ben, 5 heures, encore 5 heures, deux pas être gestant, deux gestant en bas, mais 5 heures, on n'a pas rien d'autre, on va pousser de là, ça t'intéresse. Mais monsieur était gentil, hein, lui, t'es là avec sa femme, là, j'ai nous. Laisse faire. Oui, la laisse pour moi. Mais déjà, nous, on est gentil, hein. Après, Thierry va pour le riz. Mamie Reg, à la main. À la main. Voilà, ben moi, c'est pareil. Donc, ça là-dessus, nous au moins correct là-dessus. Oui. De toute façon, quel que soit le four mettre dessus, il faut régailler toujours. Voilà. Ah, nous mettre là-dessus directement, nous mettons un petit peu de bois dessous. Ouais. Donner un bon petit peu de bois, après, on arrange à lui. Ah, ben voilà, nous prenons un petit peu d'épices. Oui. Ben du coup, nous remontons. Ben, nous, ça fait un peu l'aller-retour, quand même. Hein. Ouais, là, ça, on passe là-bas. Parce qu'après, il fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin? Après, ben. Nous mangeons plutôt créole, hein, nous faisons tomates. Ouais. L'ail, les oignons. Après, ben, un peu, il met un petit peu de PSI, les oignons verts dessus aussi. D'accord. Mais chacun, il fait. Bon, après, chacun de nos autres façons. On connaît la cuisine, après une vérité, ça. Oui, bon, après, donc on a deux petits couteaux. Oui. Ah ben, bah, aller le plus facile. On va préparer le tomate. Le tomate, c'est le plus facile. Plus important, il faut que chacun il vienne là. Il regarde, le lieu était propre. Voilà. Quand le tiro, ça va, ben, le tiro laisse propre. Pareil. Comme je l'ai trouvé. Hein. Ah, où, depuis quel âge vous pêche? 12 ans. Ah ouais? Après, ben, m'a toujours été comme ça, vivre la pêche. Ouais. Et le cheval qui nage? L'école m'a pas trop appris. On l'a appris l'école de la vie dans le fort rivière. Oui. Et il ne regrette pas, hein, parce que ben, si moi, besoin de manger quelque chose, moi, on en a toujours dans la rivière ou la nature. Ouais. Mais après, voilà, il faut juste que les gens respectent, comme on l'a dit, allez, là, voilà. Le bouc s'est pêché. Il faut qu'il ne met pas la poisson. Il ne pêche pas de colisa. Il ne met pas la poisson. Parce que nous, déjà, nous-mêmes.
Oui, des fois ils trouvent encore de monde, ils mettent la poison dans la rivière. Oui, oui, ils trouvent encore. Hein. Oui. Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Méchanceté. Hein. Bon, mais je suis pas assez comme ça, hein, tout ça méchanceté, parce que bon, bah, après, les gens qui font ça, ben, ils pénalisent tout le monde. Hein. Enfin, le colleur, les gens qui ben, ont pris le PMI, il y en a plusieurs, hein, a beaucoup de monde, je suis dit, prend le PMI, même qu'ailleurs, il vient pêcher ici. Ben, si vous mettez la poison, ben, ces gens-là n'ont pas rien non plus. Nous aussi, hein. Nous aussi n'ont pas rien. Et normalement, la rivière, les rivières de Saint-Joseph, elle est assez. Riche. Riche. Oui. Hein? Oui, elle est riche quand même. Elle est assez riche, ça. La pointe de la poitrine. En espèces. En espèces, espèce, ouais. Ça peut bien. Quelle espèce ils trouvent? Des mèches. Il y en a toutes. Hein? Après, il y a anguilles, camarons, galerons, caboloches, poissons en bruit ici, truites. Ah, après, on a... Ouais, nous peut dire que ça, Joseph, nous est quand même assez gâté, quoi. Oui. Par rapport aux bien, autres bien, dans la bien, région. Bien, bien, bien. Certaines rivières n'ont plus rien, oui. Oui. Nous revient le petit recette du jour, là. Oui. C'est un affaire cuit, vite, ça. Oui, ça, ben, vite. Ouais. Et si vous laissez trop, ben, il brûle. Mm-hmm. Parce que lui, c'est une affaire fragile. Mais là, ouais. Et là, du coup, nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons rosiélé et après, il faut craser un pilon. M'écrase pas tout. Ouais. Mais écraser plus gros. Vous donnez un petit goût. Un petit goût. Parce que le fin, c'est écraser du pied du fond. Ah, d'accord, ok. Pour ça, en fin de compte, m'en mélanger. Il appelle ça bulldog, le plus gros. Le plus fin, c'est la vraie chevrette. D'accord, là, on a deux variétés de chevrette là-dedans. Chevrette là-dedans, oui. D'accord, ok. On a le bulldog. Il appelle la bulldog, le plus gros. Et après, dans le petit fin, il appelle la chevrette. Ça, c'est un petit nom que vous avez donné, ça Non. Ah non, lui, il appelle comme ça. Il appelle chevrette bulldog. Bulldog, oui. Ben, toi, il est plus gros, lui. Non, c'est du port des œufs. Il est plus gros, il est 20 comptes. Il appelle les bulldog. Après, peut-être, comme du vin, peut-être, c'est que la donne. Oui, parce que souvent, mais nos anciens. Les anciens, ils appellent ça bulldog. Bulldog, oui. Après, ben, nous, on a droit comme ça aussi. Hein. Mais ils trouvent encore, bon, gros camarons, la rivière. Ils trouvent encore. Ils trouvent pas mal encore. Après, il était remis aussi. Il était remis. On avait mis, comme je dis, on a mis la poison une année, l'a détruit, là, elle a été remis, elle a reproduit aussi, mais maintenant, elle est protégée, elle est stricte aussi. Il me dit, on ne pêche pas n'importe comment, on en a un quota, on n'a pas beaucoup les gens pour pêcher aussi. Il y a dans nos 6 ou 7 ports là, des fois. Excusez-moi, mais par curiosité, hein, mais garde la différence, ça c'est le bulldog. Voilà, là-dedans, là, mélanger. Mélanger, d'accord, ok. Voilà. Là, par exemple, le bulldog, ben, m'a montré, voilà, il est gros, lui. D'accord. Là, je vous mets un petit mousse à côté, vêtements liés, la différence. Ouais. Hein? Un bulldog, tu chevrette, et là, il commence les bulldogs. Hein. D'accord, ok. Voilà. Non, c'est bien. Après, on plus fin que lui encore. Voilà, là, par exemple, là, c'est le bébé carrément, lui. Ouais. Voilà. Ça a été pondu, elle est, on va dire, hier ou avant-hier. Ah, d'accord, ok. Oui, d'accord. Lui, voilà. Voilà. Donc, on met un petit coup là-dedans. Voilà. On monte un petit coup. Ah, oui. Ok, pas si. Je vous gagne voir le bulldog. Là, les quatre différents. Quatre différents. Voilà. Donc voilà. Le bulldog, c'est lui ou crase. Oui, voilà. Ben, parce qu'il y en a un peu, il a eu fait une petite mâche. Mais bon, je lui rentre pas ça, il y a un bon mangeur. Il mélange tout avec. Il mélange avec. Il mélange avec. Après, il y en a un peu, il fait de sauce aussi. Il fait de la sauce comme la sauce crevette. Ouais. Mais moi. Vous n'êtes pas trop fan. Non. Quand il reste un petit laurier à vous. Oui. Après, ben, un bon mangeur. Là, pour le peu de chevaquine, nous en a, on prend 4-5 oignons. Non, on prend 3. 3. Après, ben, un marché à pêcher. Oui. 3. On va gagner un peu de temps, quoi. Voilà. Parce qu'on va rendre un petit peu service ici. Quelle quantité de piment ils mettent? Ben, piment, ben, il met assez fort, hein. Vous êtes dit, moi, mon piment. Après, il faut on a un bon petit goût, il ne faut pas y en passer non plus, hein. Ouais. Non, mais. Mais après, chevaquine frais, c'est après un peu piment dedans. Il n'appelle pas chevaquine. Non, il n'appelle pas. Vous savez, comme tout à fait rivière ou mer. Si vous ne mettez pas un peu piment dedans. Ah non, il faut un petit peu piment. Il brûle un petit peu la bouche et d'ailleurs. Du coup, ça, la quantité là est. Non, la trop. Ah oui, là, il a comme ça. Voilà. Du coup, vous mettez ça, vous mettez le. Un petit peu de sel. Le sel dedans, quelle quantité? Ça, connaît. Après, chacun, il donne de toute façon. Ouais, mais il peut faire dans un œil comme ça. Par exemple. On lui remet un petit peu, après comme ma fine. Oui, là, vous préférez comme ça. Voilà. Après, quand vous mettez encore dedans, l'ail. Et vous mettez le piment dedans ou pas? Non, le piment m'écrasé, à prendre. Vous crasez, il n'y a pas. Ah oui, c'est pour ça qu'on ne met pas trop de sel au début.
Ouais. Parce que là, si je me casse avec le piment, ben, je me mets dans la chouette, le piment, il perd son goût. D'accord. Ah oui, lui, ça cuire le piment. Hein. Tandis qu'après, mais quand il finit bien rosir, il écrase mon piment et là, il me remet dedans. Du coup, mais attaque le piment, il écrase dans le même piment, pas besoin de laver ça. Non, pas besoin de laver ça. Vous rajoutez du sel dans le piment? Un petit zig aussi. Pareil. Il écrase tout le piment. Ouais. Après, ben non, il écrase pas tout. On va mettre un petit peu dans le piment. On a une petite affaire qui. Ah, dessus pour vous, on va mettre ailleurs avec. Pour vos affaires. Voilà. Okay. Ça, ben ouais. Attaque un petit peu dedans. Là, il faut manger ouais. Un bon petit goût. Un bon petit goût de piment quand même. Vas-y, on met un bon petit goût de piment. Ça peut me donner parce que ça, je suis tranquille. Ça, là. Elle est bon, hein? Voilà, là, oui, là, oui. Il est... Mieux que ça, il n'y aura pas fait. Là, mieux que ça, il n'y pas fait. Au moins, le bouc qui écrase piment, oui. Il connaît. Voilà. Là, son bouche, ça a bien brûlé. Là, là, mais ça va un petit peu mourir. Après, ouais, ça rosier un petit peu. Un petit chiffon, s'il vous plaît. Regarde ça. Là, comme on le fait, il braise. Ah oui. Oh. Là, si vous le laissez plus longtemps. Non, il brûle, il va brûler. Il là, mais brûler, là, ça y est. Mais là, c'est sur son vapeur, la même aussi. Il ça a cuit, ouais. Voilà, mais là, ça y est. Bien, bien faire son truc aussi, cuire sur le côté. Là, ça étale un petit peu ça. Ouais. C'est là pour mon chevrette, il m'a trouillé. Le feu est trop fort. Ah oui. On regarde la technique que quand le moon il fait cuire. Ah, on va dire le matériel il sort dans le salon quand il arrive dans la cour. Ou pas, et comme ça il est plus facile pour nettoyer. Voilà, parce qu'après. Mettre, voilà, il met un petit chiffon de l'huile. Voilà. Passer un petit coup. Passer lui autour, comme voilà. Ça après. Parce que comme ça, plus facile. Ben le charbon il reste dessus. Il reste dessus et après voilà. Il lave un petit voilà. Coup. Et après les bouts. Les plus fins. Vous avez tiré le sang? Attends, mais tire encore un petit peu parce que. Non, un petit clou, un petit clou. Un petit clou. Ben. Ah, vous l'avez dit. Il lave lui bien. Parce que maman, t'as quelque chose. Après, dans un pays, il ne met pas. Hein. Mettez-le dans ses langues et dans l'autre langue, il est clou tout. Ouais. Voilà. Voilà. Là, il y a dessous là. Le jus là. Mais ça lui donne un mauvais goût. D'accord. Après, il reste pas. Mais même là c'est un chevaquine congelé. Voilà. Mais quand on fait un lit avec chevaquine, il fait pareil. Pareil. Après, pareil. Il faut nettoyer lui, mais il faut rincer toujours. Ouais. Parce que là, il voit de l'eau, comment il est. L'eau, ben, ça, c'est un, il donne un mauvais goût à mon chevaquine. D'accord. On fait chacun de son côté en même temps. On fait le riz, oui. Non, mais là, on fait le chevaquine normal, on fait le bon bulldog son côté. Oui, non, pour faire plus, on fait tout. D'accord. Pour craser, après, il craser, il n'y a pas. Voilà. Jette pas rien, tape bien le fond parce que vous connaissez, tellement rare. Mais vrai. Oui. Jette pas rien. Voilà. Mais là, voilà, il colle pas, voyons. Là, il voit, il vient rose. Il vient rose naturel, là. Ouais. Et là, il colle pas. Là, même, il fait lui, comme ça, comme un caraille, il colle pas. S'il met de l'huile, mais là, il est comme ça, maintenant. Oui, parce qu'il sera trop de frites. Ben, lui, il frit, ouais. Et là, il rosit seulement. Ouais. Et là, vous voyez, là, on commence à sentir son lodé. Là, il a un petit lodé déjà, lui. Là. Et ça, ben, il a un peu de monde. Il fait pas ça, ça met de l'huile et ça fait direct. Et après, ben, qu'on fait de curry, là qu'on fait comme ça, on met un meilleur goût. Là, il change de couleur. Là, il est joli. Là, voilà. Là, c'est la même, ça il prend sa couleur, pas lui-même. Combien de temps on laisse à peu près? Ou juste à l'œil? Non, à l'œil, ben là, par exemple, voilà, on a un peu de problème. Oui. Là, on laisse à l'œil tourner de temps en temps, comment? Parce qu'on devient rose, comme dans la boutique. Voilà. Franchement, c'est ça le plaisir du pêcheur voilà. Quand il a fini attrape ça. Il faut l'apprécier. Il faut l'apprécier. Voilà, il a pris son temps. Il a fait il a fait ça en cachette là, parce que du coup, il a fait ça dans les règles. Non, voilà, oui. Donc c'est surtout ça l'important. Oui, ben après, même il fait en cachette. Lui va gagner aussi, mais. Oui. Mais il n'est pas pareil. Non, il n'est pas pareil. Non, ma famille, moi, même mon papa, mes frères, toujours fait ça. On a toujours fait ça. Même le dernier grand son m'a fait. Ouais. Ah, après, ben, la reste une tradition. Attends, mais regarde un petit coup, regarde comment il est. Et là, ben voilà. Regarde les affaires, comment il est. Le petit fumé, tout ça fait les nickels. Voilà l'odeur, tu vois. Ah oui. Ah, là, l'odeur, il est vide. Ouais. N'a rien à voir. Ah non, n'a rien à voir. Après. On va voir de haut. Comme ça, il s'abat l'affaire. Il y en a beaucoup, mais il ne fait pas comme moi. Hein. Après, il y en a comme nous aussi, niveau l'huile. Un bon film, mais l'huile, ça donne. Là encore, il commence à coller, voyez. Ouais. Et juste. Laisse pas rien dedans. Hein. Voilà, les réserves à lui. Ouais. Là.
vas-y. La poêle là, que ça nous fait avec. Il est fini là, hein? Il s'est fini, hein? Si, si, ça fait là-dedans, même là. Là, nous avons tout mon petit coup gaillé, ça fait là-dedans. Bon. Comme ça, parce qu'il y a un petit coup de léger dedans seulement. Ouais. Au rein, ça y est. Il y a un petit coup de l'eau seulement. Voilà. Là, il va gagner la même. Voilà. Voilà. Alors, c'est de mettre ici le feu. On va un petit coup mourir ici. Attends, on va un petit coup mourir. Et il ne soit boule pas trop. Ben, il ne veut pas. Impeccable. Voilà, on laisse aller. Ça me tient ça. Oui, ah, ben là, oui. Qu'on rajoute le lait dedans sans le chocolat. Voilà, c'est juste le tour. Hein. Ouais. Là, c'est juste ça, là. Ouais. Là, le petit effet de décassage, je m'en fais. Mais sans lit, voilà. Voilà. Et après, t'as pas chocolat, hein, pour qu'on revienne dans rien. Mais là, les oignons, dans quelle quantité? Ben, mais un peu dedans. Sauf qu'on dit, maintenant, il va fondre. Voilà. Ouais, bon, yes. On rajoute le safran encore. Oui, un petit peu. Là. Un petit peu. Le canaille. Voilà. Ah, bon. Quoi qu'il brûle. Le thym, elle est là. Voilà, mettre une petite zig dedans aussi. Voilà. Bon, on profite un petit peu que le thym fait ça. Comment on donne la monotorisation? Oui, ben goûte à lui. Bah, on va voir le goût déjà. Et là, la pincelle, pas rien. Là, il n'y a pas de sel, pas rien. Là, il n'y a pas de sel, il n'y a pas rien. Il reste quand même un petit goût sucré, non? Oui, ben là, ça c'est normal, ça. Ça, c'est le goût sauvage, il y a. Bon, mais il commence à pas. À manger du dedans. Je sais pas, ça sera bien assez pour mettre dans le marmite. Les tomates, pareil, les tomates, ben. Mais là, mais voilà, dessous, le feu n'est pas trop fort. Hein. Non, ben, c'est où mes forts, lui, ça brûle. Là, c'est que mes épices. Après, c'est les épices. C'est les épices qui jouent le rôle, c'est là. Vraiment, le temps que ça fait fondre là, mais ça passe le mot de droit bulldog, mais j'ai là, dans le pilon. Avec le petit jus de piment en bas, et il a mis l'oreille dedans. Voilà. Là, tout petit, il va tous les plus gros, c'est bulldog. Là, au tri, un par un. Mais ben, à la fin, nous avons un petit peu de piment, mais dedans, nous. Ouais, mais là, tu peux encore le piment. Mais retiens le piment. Laisse un petit peu dedans quand même, laisse un petit peu de piment dedans pour dire que. M'écraser un petit peu avec. On lève encore un petit peu. Voilà, il est bon. Voilà. On va faire un petit peu, c'est plus gros, là, comme ça. Ça, c'est le bon bulldog, hein? Voilà, ça, là où Ali ou crase pour donner le goût. Voilà. D'accord. Voilà. Là, après, ben, la style m'est mine. À moi, personnellement, après, moi la façon m'a toujours vu préparer, hein. C'est qu'il m'écrase tout, moi. Voilà. Après, c'est une autre façon. C'est ça, mieux. Après, on en a chacun une autre façon, hein. Mais là, bien, c'est une autre méthode, mais comme ça, il peut à un moment goûter pour voir c'est quoi la différence, quoi. Tu vois, d'en bas, la même, pas trop de sel, mais après, moi. Qui est par là, les gens, ils disent aux aliments salés, un peu non. Bon, c'est ça, il met dans une boîte et il fait comme un peu de fruit, mais non, mon sel, comme ça. Là, si vous débouchez avec le sel là-dessus, et puis bon, on s'en apéro. Ben voilà, on va te dire ça. À nous, créons, nous mangeons pas lui, non hein. Les métropolitains, ben ils mangent en apéro. Et il lève un petit coup, ça vous garde si je pas. Ah oui. Il n'est pas trop de brûler. Voilà. Non, il ne brûle pas, il fait un assiette, pas brûler. Ah, est-ce que là, les bons moules, on veut mettre un peu plus? Non, les bons, on ne crase pas. On ne crase pas trop, sinon ça va. Voilà. Voilà. Et là, on a où mettre caloupilé dedans. Oui, deux bons. Et ça, c'est un petit bon. C'est ça le secret. On va pas dire que vous trouver des gants, on va trouver, d'accord. Bon, sans lui, on va voir. Voilà, deux petits branches qu'on va dedans. C'est lui le secret, alors. Voilà. Ouais, bon. Les deux en ont après, le secret, les juste en nous deux, pas personne n'y voit. Donc, vous pouvez le garder comme ça. Mais vous mettez le combat à quel moment dedans? N'importe comment, vous mettez là, mais le combat là, voir que le film vient rosé et tout ça. L'origine justement, c'est juste pour pas fumer de café. Là, on prend le bon bulldog et le crasé. Voilà, vous mettez dedans, dans mon petit épice. Et c'est là. Et là, ben là, c'est le dé, ça les vide. Là, si on a un voisin, ben lui, dispute un couillard. parce que ils sont forts? Ah, voilà. C'est lui, il parfume tout hier. Tous les chemins qu'il nous a mis dedans. Là. Et là, oui, il n'y a pas comme de sel, il n'y met pas de sel dans tout de suite parce qu'il ne sait pas comment ça se mange. Il n'y a pas salé, il n'y a pas trop salé. Là, ça met avec dans ses. Voilà, là, il mange mon chevaquin dedans. Là, il me met tout mon chevaquin. Il m'a mis ce colis bien. Ouais. Bah, c'est quoi, oui. Là, quand il y a là, on a mis un printemps. Mais là, c'est lui qui fait du printemps.
Mais et où pêche avec vous pêchez goni oignons bien maintenant? Non, en brouillère. Oui, la puis goni de longtemps. Goni comme longtemps la puis. Non. Ça, il peut retrouver, vous connaissez comment? Ouais. Peut-être chez, on va dire les anciennes boutiques chinoises. Ouais. Là on peut trouver. Mais sinon voilà. Je vous dis c'est que en brouillère. Ah, en brouillère, oui. Mais il est moins solide, hein? Moins solide mais plus facile. Il ramasse plus propre. Ah ben là c'est la caméra qui est essentielle de mettre parmi les gens là, le derrière. Ouais, parce que les gens là, c'est vrai. Attends, là ça dit un petit coup de ben là, voilà, comme ça. Et là, vous mettez branche calopulie dedans. Oui, des petites branches. Vous mettez le petit branche Kovava. Voilà. Vous mettez le Kovava ici. Vous mettez deux petites branches. Mais tout, mais tout. Oui. C'est lui dans le bord, enfin, de toute façon là. C'est un infirmatu. Et là, il faut comme il piment rien. Là. Il ne manque pas comme il mon piment, mais il faut comme il rien. Là, il y a la bouche à lui, mais ça laisse à lui. Il manque un peu de sel comme. Hein? Il manque un peu de sel. Le gros met un petit peu de sel à la rajout. Voilà. On laisse soutenir un instant, on nous bouche à lui, nous enlève à lui. C'est tourné doucement, pas trop. Parce que là, trop... là, on va sentir le petit goût, il est cuit. Là. Là, oui. Ah, là, il commence à lever. Ouais. Ah, franchement, là, il bat tout. Là, vous voyez son petit odeur, comment il lève. Là, vous sentez. Ah. Normalement, notre bouc, il doit monter là à pied pour nous. Ben là, il a tout d'abord, il fait son odeur. Vous voyez ça, la fumée, voilà. Ah, il s'en va. Là, tout le bouc connaît. Ah, oui, il s'en va, tiens, bien. Voilà, on fait un petit passe pour lui. Et franchement, ok, pas, mais. Là, si vous prenez une petite assiette et nous mettre une petite boule dessus. Mais normalement, il a. C'est comme ça qu'il faut goûter. Bah, et créer le grimoire, ça, ils font dans la bec. Et voilà, oui. Comme ça, tradition Saint-Joseph, voilà, ça, ils font dans la bec. Ah bon, c'est Saint-Joseph, ils font dans la bec alors. Ils font dans la bec, oui. Là, ce côté, comment il commence à les brûler. Là, là il est encore belle pierre, mais s'il continue, il va brûler après. Non, non, lui, pareil, mais ça tire. Bon, Didier, hein? Maintenant, la plus qu'à, comme il dit, hein? Faut goûter. Faut goûter, nous. Allez, ben là, nous, on commence. Ben là, ça aussi, va vous prendre un petit peu de riz. Ouais. En même temps, mais là, ça aussi, va vous mettre un petit peu aussi. Oui. Une petite boule. Oui, ben, juste vous mettez une petite boule pour nous goûter aussi. Juste pour vous mettre une petite boule, j'y mène aussi. Voilà, comme ça, on voit si c'est bon. Bon, t'as marre, rajoute un petit peu, parce que si, vous connaissez en haut comment il est. Voilà, notre grosse, il faut bien le manger. Là. Voilà, là, on va tirer ça aussi. On va découvrir. Voilà. Mettez-y, là. On va tenir. Ça me donne une cuillère encore. Tiens, pareil, mais ça aussi va où? Il prend juste. Voilà. La Jimmy prend juste un petit peu. Tant mieux, ça a mis à faire. Ma tenue est mienne. On connaît, les goûts juste ça. On couvre vite fait. Voilà. On prend la cuillère. Voilà. Laissez-vous avec le coup de cuillère. Ouais, nous va goûter. Voilà, mais tant mieux, mais ça va faire un instant. Ouais. Et après, on va dire moi quel goût nana. Quand pige ou là, quand on va dire moi ça, souvent, ça souvent après où? Franchement. Et là, comment on trouve à lui? Franchement, il est bon. Il est bon. Voilà. À chaque coup de cuillère, pareil, il dit où? À retourner encore. Bon, vas-y, on va encore. Encore dans mon vide. Bon, ben, les amis, je continue mon chemin. Mais ça rendait si plus loin, Nenan Moon. Mais là, pour aujourd'hui, je cale un petit coup côté Langevin parce que franchement, le petit Chevakin, il est vraiment frais, quoi. Allez, ben, nous retrouvons. Nous, on va ça. Ah ben là, il y a un bon petit coup de piment là, les gars. Là, il faut prendre.